Ebony. Bonjour, 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 bonjour. Partagez le direct, invitez quelqu'un, invitez un frère, une soeur, invitez quelqu'un à ne pas participer à ce direct. Ce sera très intéressant. Voilà, soyez bénis. Voilà, partagez ce direct pour tout le monde. Voilà, partagez pour que chacun puisse, n'est-ce pas, participer. Voilà. Je suis très content de vous retrouver. Soyez bénis. I'm good. Daddy. Oh, vous framponnez très fort. Bon, je suis venu juste pour dire deux ou trois choses. Bon, votre verre framponné là. La fille a dit framponné. Voilà, soyez bénis. Je suis très content de vous retrouver. Je voudrais que vous partagiez ce direct dans plusieurs groupes pour pouvoir aider les uns et les autres. Il faut. Amen, sois béni, sois béni. Aujourd'hui, je voudrais intervenir un peu sur l'actualité. Hier, nous étions en direct. Et pendant que nous étions en direct, notre direct a été coupé. Donc, on n'a pas pu terminer. Mais je devais dire deux ou trois choses importantes lors de ce direct-là pour pouvoir, n'est-ce pas, interpeller les uns et les autres. C'est hyper super important parce que pour moi j'estime que je ne suis plus à répondre à la question qui est de savoir si le pasteur doit faire de la politique ou pas. Moi, je ne réponds plus à cette question. Je trouve que cette question c'est pour les enfants, pour ceux qui moralement se reproche encore quelque chose et qui trouve important de devoir répondre à cette question, à savoir si le pasteur doit faire la politique ou pas. Voilà. Moi, je ne réponds plus à ces questions. Moi, je ne réponds plus à ces questions parce que je pense m'être penché mille et une fois là-dessus. Je pense m'être penché mille et une fois là-dessus. Donc, je n'ai plus besoin de répondre à cette question. Le plus important aujourd'hui est que vous vous sentiez citoyen, humain, etc., que vous ne soyez pas loin des questions qui, au fond, vous concernent. Des questions qui, au fond, vous concernent. Et tant que ces questions vous concernent, eh bien, vous avez le droit, à divers niveaux, de parler, d'intervenir, de dire quelque chose pour que, n'est-ce pas, nous puissions être au même niveau d'information, mais aussi apporter notre pierre à l'édifice de la nation. C'est très important. Vous ne m'entendez pas? J'espère que vous m'entendez. Alors, j'ai entendu ça et là. Aujourd'hui, je vais intervenir sur trois points. Le premier point, c'est la question des étrangers, qui est une question très, très importante en Côte d'Ivoire. Et je crois
Bon, d'accord, on continue. Vous m'entendez maintenant? C'est bon? C'est bon, vous m'entendez? Ok. Je crois que la première question, c'est la question des étrangers en Côte d'Ivoire. La question des étrangers. Parce que c'est une question qui est récurrente. C'est une question qui revient tous les jours. Et c'est comme un fait exprès. C'est-à-dire que quand nous devons prendre un virage important pour notre nation, eh bien, il y a toujours cette question d'étrangers qui apparaît toujours dans les conversations. Donc, nous allons parler des étrangers aujourd'hui, et peut-être qu'après ça, on va m'arrêter. Peut-être qu'après ça, les gens ne vont pas comprendre, mais vont dire, mais un pasteur qui dit ça, mais vous allez comprendre. Et je vais dire ma position de façon claire pour que vous compreniez cette affaire des étrangers. Et la question, c'est, est-ce qu'ils vont être tués en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la question. C'est la question. La deuxième chose sur laquelle je veux intervenir, la deuxième chose, c'est le sort réservé à Ouattara, qui aujourd'hui est en passe. Je ne dis pas qu'il va le faire, mais il semblerait qu'il veuille se présenter pour un troisième mandat. Si c'était le cas, quel est le sort qui lui est réservé? Et ma troisième intervention va porter sur le procureur Adou. Oui, je vais lui parler directement, parce que je pense qu'à ce monsieur, il faut dire deux ou trois choses. Parce que je crois que la plupart des procureurs qui sont succédés en Côte d'Ivoire, des procureurs de la République, ils n'apprennent pas des erreurs des autres. Ils n'apprennent pas. Et ils ne savent pas dire non. Ils ne savent pas se placer du côté du peuple. Ils pensent qu'ils sont là juste pour faire plaisir à un pouvoir, mais ils ne pensent pas eux-mêmes à comment ils vont vivre demain. C'est-à-dire que quand ce pouvoir-là va partir, toi, tu vas vivre comment? Toi, tu vas être où? C'est ça qui est important. Donc, il faut faire le travail. C'est-à-dire que quand vous êtes procureur, et ce qui devait être le cas, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un État démocratique, dans un État de droit, le procureur agit, il a son pouvoir, il ne détient pas son pouvoir par la pression d'un individu particulier. Quoique les pressions puissent toujours venir, mais à un moment donné, quand il ne peut pas, il dit non. Quand il y a injustice, il dit non. Quand on veut l'astreindre à faire des choses qui ne sont pas correctes, il dit non. Vous comprenez? Donc, c'est de ça que je veux parler ce soir. Et je veux aborder ces trois points. Et nous finirons par le troisième. Nous finirons par les rois et les chefs traditionnels. C'est un regard sur l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire. Sur les rois et les chefs traditionnels qui sont en Côte d'Ivoire. Demain, nous parlerons de la contribution de l'Église dans le débat politique, dans le débat sociopolitique en Côte d'Ivoire. La première chose, ce sont les étrangers. C'est une question. Honnêtement, les Ivoiriens n'avaient pas trop à faire à ce débat. Je vous dis la vérité. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis d'origine ivoirienne. Donc, je sais que ce débat n'avait pas vraiment lieu en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on se préoccupait moins de savoir qui est du nord, qui est du sud, qui est de l'est. Pour vous, qui avez un certain âge, vous vous souvenez bien des orientations fantaisistes à l'époque où, quand vous fréquentiez à Gagnoua, on vous envoyait à Korogo pour faire votre sixième ou bien votre seconde, etc. Donc, des gens de Korogo qui étaient affectés à Divo, des gens de Divo qui étaient affectés à Fekese-Dougou, des gens de Fekese-Dougou qui étaient affectés ici et là. Donc, les gens étaient affectés. Donc, on ne se souciait pas, vous aviez un Bété qui pouvait grandir chez un Djimini. Vous aviez un Baoulé qui pouvait grandir chez un Bété, vous aviez un Koyaka qui pouvait grandir chez un Yakuba. Donc, les enfants vivaient partout. Mais qu'en est-il par exemple, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des étrangers, il y a un peuple particulièrement qui prend ce débat comme étant son débat à lui. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a toutes sortes de peuples. Mais il y a un peuple particulièrement qui, lui, prend ce débat-là comme étant son débat à lui. Comme si on parlait de lui. Ce peuple-là, c'est les Burkinabés. Alors, qu'en est-il des Burkinabés? Eh bien, moi, je vous ai dit que l'un de mes meilleurs, j'avais deux meilleurs amis. L'un s'appelait Boukari, il était Burkinabé. J'ai fréquenté à Piétri. Et l'autre, il s'appelait Ouédraogo Souleymane, aussi un Burkinabé. Donc, c'est-à-dire que moi, je mangeais sur Ouédraogo venait manger chez moi. On était vraiment des frères, Boukari et consorts. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un débat qui existait vraiment en Côte d'Ivoire. Ce débat n'existait pas. Ce débat n'existait pas. Le vendeur de charbon qui était, quand nous on était plus jeunes chez nous, était nigérien. Il vendait son charbon.
Personne ne lui a fait la guerre une fois. Même quand tu venais, tu lui prenais pas l'argent, tu voulais prendre un peu, il dit non. Et puis ça va pas quelque part, personne ne vient te brigander ou voler ton argent ou bien brûler ton corps de charbon, etc. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Alors je veux que ce soit clair pour vous les étrangers qui nous écoutez. Eh bien, il faut bien qu'on situe le débat pour que vous compreniez exactement ce qui se passe avec les étrangers en Côte d'Ivoire. Si vous avez compris ce débat, vous avez tout compris. La deuxième chose que je veux dire, c'est que moi j'ai entendu honnêtement parler des étrangers, là, depuis l'arrivée de Ouattara. Je vous dis la vérité. Parce que par exemple, la carte de séjour, nous la connaissions pas. Vous étiez en Côte d'Ivoire, vous étiez en territoire africain, donc la plupart des gens circulaient. Mais Ouattara a envoyé la carte de séjour qui nous a amené à faire une différenciation entre celui qui est ivoirien et celui qui ne l'est pas, quoi qu'il soit en Côte d'Ivoire. Donc l'étranger devait, en quelque sorte, payer, même en quelque sorte, devait payer une carte pour garder son séjour ou pour être en situation légale en Côte d'Ivoire. Il devait payer un certain montant. Nous, on ne connaissait pas ça. C'est quand lui il est arrivé là que nous, on a eu ça. C'est lui qui a envoyé cette affaire des cartes de séjour. Ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. À l'époque, aucun Burkinabé ne disait qu'on le maltraitait ou qu'on le massacrait dans les plantations. Aucun. Aucun Malien ne disait qu'il était dépossédé de sa propriété. Aucun. Aucun Libanais ne se plaignait. Le seul conflit ouvert qu'on a vraiment eu, je vous dis, et puis c'était même pas un conflit, c'était juste un jeu d'enfant. C'était entre le Ghana et la Côte d'Ivoire où il y a eu assez de Kotoko, mais c'est vraiment le conflit que nous on a vraiment vu, où c'était vraiment des histoires, etc. À part ça, ce sont les gens se chahutent, mais ça va nulle part. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, c'est avec lui, honnêtement, que moi, Axel Kipré, que moi, j'ai entendu, c'est moi que j'ai commencé à prendre connaissance de cette affaire d'étranger. C'est-à-dire que vous êtes maintenant en Côte d'Ivoire, vous devez payer la carte de séjour. La fraude a commencé là. Le racket aussi était là. Parce que pour ceux qui n'étaient pas en situation légale, quand ils croisaient le policier, que le policier devait l'emmener, ils devaient toujours glisser quelque chose. Donc imaginez, ils ne payent pas la carte, mais ils glissent toujours quelque chose pour que les autres puissent pouvoir, pour que le policier le laisse passer, pour qu'il puisse toujours être sur le territoire ivoirien. Voilà comment moi j'ai connu ce qu'on appelle l'étranger. L'étranger, pour moi, ce n'est pas une insulte. L'étranger, c'est le principe de l'étranger va du principe de la pluralité des territoires. C'est parce qu'il y a plusieurs territoires que quand vous quittez un territoire, votre territoire pour aller dans le territoire de quelqu'un d'autre, on dit que vous êtes un étranger. Donc ce n'est même pas une insulte. C'est comme quand vous allez chez quelqu'un et puis vous dites, fais comme chez toi. C'est pour te rappeler en fait que tu n'es pas chez toi. Et que ce que tu ne fais pas chez toi, il ne faut pas faire ça chez moi ici. C'est exactement ça que ça veut dire. Donc c'est comme ça que nous, on a connu cette affaire d'étranger. Mais encore là, il n'y avait pas de problème. Je vous assure qu'à l'époque, nos parents, mais quand la police attrapait parfois, moi, mon père adoptif, mais il est intervenu pour des étrangers qui avaient été arrêtés par la police. Il a dû payer, soudoyer des policiers pour qu'on laisse les gens partir, pour ne pas payer leur carte de séjour, parce qu'ils n'avaient pas l'argent sur place. Oui. Donc ça, cet esprit-là, cet esprit de palabre entre l'étranger et puis l'ivoirien, c'est pas un esprit qui existe. Ça n'existe pas. Ça aurait peut-être pu exister, qu'on aurait peut-être évité certaines choses aujourd'hui, comme certains peuples qui ont réussi à se barricader, qui ont réussi à mettre en avant leur identité et qui effraient toute personne qui foule le territoire, de sorte à ce que ces personnes-là se soumettent aux principes qu'ils trouvent là. Nous, à la limite, on a constaté que ce n'était même pas un pays avec des principes. C'est-à-dire que même des étrangers, ou faut dire les preneurs, ils avaient des côtés douteux, mais ils étaient ministres, etc. On avançait. Ce n'était pas grave tant qu'il n'y avait pas de soucis. Ça avançait. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette affaire de Côte d'Ivoire poudrière identitaire. C'est là que nous mesurons maintenant l'étendue. C'est là que nous mesurons l'étendue des dégâts que le discours, que ce type de discours qui dit que l'Ivoirien est xénophobe, c'est là que nous mesurons ce type de discours au point où un parti politique, il s'agit du RDR, va derrière un homme, ils vont s'arranger, financer un film qui n'a d'autre but que de présenter l'Ivoirien comme un xénophobe, de présenter l'Ivoirien comme un faux type qui ne veut pas des étrangers chez lui, qui est prêt à tuer les étrangers, qui tente à présenter un certain gouvernement
qui aurait mis en place une politique d'extermination des étrangers, alors que quand vous avez le pouvoir, ben pourquoi exterminer des gens quand vous avez la possibilité de leur dire, ben écoutez, maintenant moi je mets une carte de séjour, c'est 3 millions. Mais c'est une façon polie de chasser quelqu'un. Tu dis, c'est 3 millions, il n'a pas l'argent pour payer. Légalement, tu le chasses. Et légalement, tu le chasses. Pourquoi vous voudriez donc que des gens se mettent la communauté internationale à dos pour avoir une politique dans ce 21e siècle-là, pour avoir une politique d'extermination d'étrangers? Pourquoi vous voulez que des gens se mettent à dos, des gens se mettent à dos tout le monde à cause d'une politique pour exterminer des gens? Ça n'existe pas. C'est avec ce film-là. Il ne sait pas comment il se passe, Benoît Schroeder, ou bien je ne sais pas comment on l'appelle, là, qui a fait ce film-là. C'est avec lui que moi, j'ai connu, j'ai vu l'étendue des dégâts du discours identitaire, de cette façon de présenter l'Ivoirien comme quelqu'un qui n'aime pas les étrangers. À partir de cette période-là, certains étrangers qui ont vu qu'un certain parti politique penchait pour eux et tendait à les présenter comme des martyrs, comme des gens qui souffrent, qui sont maltraités, eh bien, et qui de loin, peut-être guettaient l'Ivoirien ou voulaient la nationalité ivoirienne, ou je ne sais pas, mais ils ont épousé ce discours. Maintenant, ils interviennent, mais à visage découvert, contre l'Ivoirien dans le débat politique ivoirien. Ils interviennent, mais vis-à-vis, sans que vous, ça ne vous dérange. Ça ne vous dérange. C'est depuis cette période-là que nous, on a commencé à connaître. Ça veut dire qu'un parti politique est arrivé et on a eu l'impression que ce parti politique, il n'avait d'autres programmes, mais je dis bien d'autres programmes que défendre les étrangers. Pourtant, les étrangers n'étaient pas martyrisés en Côte d'Ivoire. Pourtant, les étrangers n'étaient pas chassés en Côte d'Ivoire. Quand on nous montre les convois de rapatriement des étrangers, dans certains pays où on ne veut pas vos papiers, là, c'est très simple. On vous menace, on vous met dans un avion, on vous rapatrie. Donc, où est-ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire qu'il y avait un programme particulier pour pouvoir non seulement exterminer les étrangers, ou au pire, dans un cadre moindre, ou dans un sens moindre, les prendre, les mettre dans un cas, les mettre dans un cas et puis dire, rentrez chez vous. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Alléluia. Depuis quand ça existe? Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelque chose qui existe chez nous. C'est avec eux que nous, on a su ça. Et maintenant, l'Ivoirien a gardé sa même position. Les mêmes plaisanteries continuent. Mais on l'a toujours présenté comme ça. Oh, Burkinabé, là, va chez toi. Mais ça, là, ça c'est dit. Mais moi, j'étais petit quand je voyais mes grands frères le dire à des gens du quartier. Oh, Bouki, là, va là-bas. Bouki, va là-bas. Mais ça existe tous les jours. Comme les Agnis insultent les Baoulés insultent les Agnis. Tout le monde s'insulte entre eux. Ça se fait tous les jours. Mais ça se fait tous les jours. Donc, c'est pas ça qui était le problème. C'est pas ça qui était le problème. Le véritable problème, c'est un parti politique, le RDR, qui a envoyé ce qui a exacerbé les clivages entre les Ivoiriens et les étrangers, en faisant croire dehors, en faisant croire aux étrangers ou aux blancs qu'en Côte d'Ivoire, il y a la xénophobie, c'est-à-dire que nous ne voulons pas de place, nous ne voulons pas donner de place à un étranger, nous ne voulons pas donner de place à quelqu'un qui n'est autre qu'un Ivoirien, et que nous discutons même sur la provenance ou bien la réalité séculaire de quelqu'un. Nous discutons sur ces détails-là. Mais dans quelle nation on ne discute pas des origines de quelqu'un? Pourquoi on veut faire endosser aux Ivoiriens ce qu'ils ne sont pas? Et aujourd'hui, moi, je vais m'adresser au RDR et je vais m'adresser aux étrangers. Je vois depuis lors, non, on va tuer les étrangers, etc. Écoutez, vous savez bien que les Ivoiriens ne tuent pas les étrangers. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien lambda est en train de réagir comme une personne, comme une tribu assiégée. Oui, je suis pasteur, mais je vous dis la vérité. Le pasteur, c'est pas quelqu'un qui maquille la vérité. L'Ivoirien est en train d'agir aujourd'hui comme une personne qui a un réflexe de tribu assiégée. C'est-à-dire qu'il sent que son pays est en train de lui échapper. Mais pour couronner le tout, il sent que ses dirigeants qui sont à la tête du pays font tout pour que son pays lui échappe. Vous comprenez ce que je dis? L'Ivoirien sent que son pays est en train de lui échapper, mais là où il devait se réfugier, c'est-à-dire dans son gouvernement,
dans ses autorités pour que cela puisse garantir sa sécurité, etc. Il sent que ces autorités-là, eux-mêmes, sont en train de tout faire pour que le pays là, puisse échapper à l'Ivoirien lui-même. En ce sens que un Ivoirien qui critiquerait le parti au pouvoir, eh bien, il est susceptible d'aller en prison. Un étranger qui peut se lever, et puis il va dire, on va verser le sang des catholiques, cet étranger-là, on le voit, mais on ne le met pas en prison. Donc l'Ivoirien aujourd'hui est en droit de se dire, mais attends, et depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ou depuis qu'ils ont commencé avec la rébellion jusqu'à aujourd'hui, ce sont des villages brûlés, et vous avez des Burkinabés qui fièrement disent, ils ont frappé l'un des nôtres, nous avons brûlé leur village. Vous voyez, c'est ceux-là qui ont, c'est comme ça que l'Ivoirien a commencé à se sentir. Donc, ne jugez pas l'Ivoirien qui aujourd'hui commence à être en colère. Ne jugez pas l'Ivoirien qui aujourd'hui commence à en avoir marre. Ne jugez pas l'Ivoirien qui aujourd'hui commence à être, on va dire, dépassé par les événements et qui aujourd'hui, comme une tribu assiégée, est obligé de se défendre comme il peut. Parce que le gouvernant lui-même n'est pas bon. Parce que le gouvernant lui-même ne donne pas la possibilité. Je dis bien, le gouvernant lui-même ne donne pas la possibilité à l'Ivoirien d'être tranquille. Ne donne pas la possibilité à l'Ivoirien d'être serein. L'Ivoirien constate que son gouvernement défend plus l'étranger que lui-même. Mais dans quel pays l'étranger et le natif ont les mêmes droits? Ils n'ont pas forcément les mêmes droits. Hein? Moi, je n'ai jamais vu ça quelque part. Quand vous allez en France, vous avez les Français, la loi est pour tout le monde, mais il y a des avantages que des Français ont, que des étrangers ne vont pas avoir. Et ils ne vont pas avoir. Et ce n'est pas de la combine. On appelle ça le principe de pluralité. Et c'est tout. Il y a plusieurs territoires. Tu vas chez quelqu'un, tu es étranger. Aussi simple que ça. Vous êtes ici. Moi, je suis, par exemple, fier d'être dans ce pays. Mais ici, aux États-Unis, même quand vous êtes naturalisé, vous pouvez perdre votre nationalité, contrairement à celui qui est américain de souche, qui ne perdra jamais sa nationalité. Ici, même si on n'en parle pas, mais vous savez que vous n'êtes pas chez vous. Donc il y a des choses que vous ne faites pas ici. Même quand vous avez été naturalisé américain, il y a des choses que vous ne faites pas dans le pays des gens. Parce que vous savez que vous n'êtes pas natif d'ici. Ici, là, c'est pas chez vous. Vous êtes venu peut-être pour vous chercher. Vous êtes venu par concours de circonstances. Vous êtes venu parce qu'il y avait des études, vous êtes venu là. Donc vous savez vous comporter. Ici, là, vous ne faites pas tout. C'est le pays des gens. On appelle ça, en ivoirien, on dit ça, c'est le pays des gens. Donc vous vous comportez de sorte à ce que, les choses puissent être en votre faveur, sinon la loi va sévir. Et puis ce n'est pas des républiques bananières où quand vous n'avez rien fait, vous prenez, etc. Les erreurs judiciaires, ça existe. Mais ici, il y a la loi. Dans quel pays il n'y a pas le principe d'étranger? Dans quel pays? Quel est le pays qui est autant fermé et puis ils vivent entre eux? Et puis il n'y a pas d'étranger parmi eux. Ça n'existe pas. Donc le mot étranger, moi, à cette impression, on me dit étranger. On ne peut pas insulter. Hein? Si ici, quelqu'un me dit que je suis un étranger ici, il ne m'a pas insulté. Oui, je suis un étranger. Quoique j'ai la nationalité. Mais je suis un étranger, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. Regardez, quand on prêtait serment, il y a l'officier consulaire, et du moins l'officier de l'immigration, qui a dit, vous devenez américain, mais n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas vos origines. N'oubliez pas vos origines, n'oubliez pas vos amis, n'oubliez pas vos frères et sœurs. Vous êtes certes américain aujourd'hui, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Donc ça veut dire que là, on est en train de dire, c'est vrai, tu es devenu, mais n'oublie pas d'où tu viens. Tu viens de quelque part. Tu viens bien de quelque part. Ça, c'est une chose que tout le monde doit comprendre. Pourquoi, donc, en Côte d'Ivoire, on voudrait que nous soyons une nation d'exception? Ou quand l'Ivoirien parle d'étranger, il doit être cantonné quelque part comme quelqu'un qui a commis tous les péchés d'Égypte? Moi, je ne comprends pas.
Quand tu dis à quelqu'un tu es l'étranger, on dit non, tu es xénophobe. Mais le mot étranger, là, ce n'est pas l'Ivoirien qui l'a créé. Oui, tu es l'étranger. Mais l'Ivoirien ne parlait pas comme ça. Pour régler le problème, ce n'est pas de dire à l'Ivoirien, il ne faut pas dire ça. C'est de savoir d'où est-ce que ce débat identitaire est quitté, d'où est-ce qu'il vient. Il sort d'où? Qui l'a amené? Le débat religieux, le débat identitaire, qui l'a amené? Il y a un seul parti qui a amené ça en Côte d'Ivoire. C'est le RDR. Il n'y a pas une seule personne qui a amené. Et ça, vous pouvez m'insulter, mais ce n'est pas grave. Mais c'est un seul parti qui a amené ça. C'est le seul pays au monde où des vous qui avaient pu prendre des armes et puis vont attaquer le pouvoir en place. Parce qu'ils font partie des combattants. C'est le seul pays au monde où on peut des manières, tout ça. Et puis ils disent, on est chez nous, chez le pays là, c'est pour tout le monde. Mais un pays ne peut pas appartenir à tout le monde. Les États-Unis, là, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a bien des gens à qui ça appartient. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde, camarade. Je vous dis la vérité. C'est un pays qui appartient à quelqu'un, qui appartient à des gens. C'est des gens qui possèdent leur pays. C'est leur pays. Donc vous ne pouvez pas leur dire pourquoi ils disent qu'ils sont chez eux. Vous prenez même un Américain qui est quoi? Un Américain qui est homeless, qui n'a pas de maison, mais quand il parle, il est fier, il dit je suis américain, il se croit mieux même que toi qui es venu le visiter là. Même si tu as ta voiture, il ne fait rien à toi. Lui, il dit il est américain. Toi, tu fais quoi? C'est pas quelque chose qui est mauvais. Donc, depuis que le RDR a envoyé ce débat, c'est sur ça que les gens ont surfé. Ils ont surfé sur le débat identitaire, ils ont surfé sur le débat religieux. Je suis, parce que je suis musulman, et donc c'est pourquoi on ne veut pas que je me présente. C'est parce que je suis musulman que les gens ne veulent pas que je sois président, que je sois candidat dans le pays. Donc on a surfé sur ces deux positions. On a surfé sur ça. On a surfé sur ça. Pour pouvoir, n'est-ce pas, grappiller des voix, pour pouvoir taper des gens, pour dire venez. On a surfé sur ça. C'est comme ça que les gens ont fait. Ils ont surfé dessus. Ils ont surfé sur ces positions-là. Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. C'est pas grave. Nous voyons tout ce que les gens font. C'est pas parce qu'on ne voit pas. Et je vais m'adresser aux frères burkinabés. Moi, j'aime le Burkina. J'ai beaucoup d'amis burkinabés, des amis pasteurs burkinabés, etc. C'est un pays que j'entends visiter. Pas y vivre, mais visiter. Donc, je n'ai rien contre les Burkinabés. Rien du tout. Mais pourquoi est-ce que diantre, ce peuple-là, prend-il plus à cœur le débat sur l'étranger comme étant son débat, comme si ça le concernait, plus que les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, etc. Vous n'êtes pas les seuls en Côte d'Ivoire. Il y a plein de gens qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a plein de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est particulièrement vous qui prenez ce débat-là comme étant un débat qui vous vise particulièrement? Qu'est-ce que vous vous reprochez? Vous vous reprochez quoi? Comme si c'est un débat qui vous visait particulièrement. Mais le débat sur la nationalité, là. Mais ce n'est pas un débat qui est dirigé contre Burkinabé. Mais c'est parce que vous faites beaucoup de bruit que finalement le débat se dirige vers vous. Et c'est parce que vous faites plus de bruit et plus de dégâts en Côte d'Ivoire que le débat se dirige vers vous. C'est pas parce que les Ivoiriens ont envie de vous tuer. Les Ivoiriens ne vous tuent pas. Combien de Burkinabés ont été massacrés en Côte d'Ivoire? Combien? Dites-nous combien? Combien de Burkinabés ont été rapatriés même chez eux? Combien? Et pourtant, Dieu seul sait qu'en Côte d'Ivoire, vous ne payez pas de taxes. Vous ne participez même pas à l'économie du pays. Quand on attrape des gens qui sont des braqueurs, il y a au moins 50% de Burkinabés. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils volent, ils tuent, ils braquent, ils sont des coupeurs de route, mais ils sont toujours en Côte d'Ivoire. Ils sont toujours en Côte d'Ivoire. Personne ne les dérange. Personne ne les dérange. Vous comprenez ce que je dis? Personne ne les dérange. La loi s'applique et puis c'est tout. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ce n'est pas. Pourquoi est-ce qu'ils prennent ce débat-là tellement à cœur que, par exemple, les Béninois, les Togolais, etc. Pourquoi vous vous sentez plus concerné que les autres? Pourquoi? Pourquoi vous vous sentirez plus concerné que les autres? Pourquoi? En Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas les seuls étrangers, mes frères burkinabés. En Côte d'Ivoire, il y a tout le monde. Il y a les Libanais qui sont là. Pourquoi on n'entend pas leur bruit? Il y a les Syriens qui sont là, qui sont installés. Pourquoi on n'entend pas leur bruit? Il y a des Guinéens, il y a des Marocains qui sont là.
Il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire. Pourquoi on n'entend pas le bruit? Pourquoi on n'entend pas le bruit? On n'entend rien du tout. C'est des gens qui, à un moment donné, ils savent d'où ils viennent. Moi, j'ai vécu à Gonzagueville. Mais la famille Haï de Gonzague, ce n'est pas une famille ivoirienne, c'est des Togolais. C'est des Togolais qui sont allés habiter dans le coin qu'on appelle Gonzagueville. Et vous allez là-bas aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils ne se prennent pas pour autant pour pouvoir couper Gonzagueville pour dire qu'ici, là, c'est chez nous. Parce qu'ils savent que Gonzagueville, c'est un territoire ivoirien. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'on les chasse. Mais pourquoi ils font moins de bruit que vous? Pourquoi ils font moins de bruit? Et je pense qu'aujourd'hui, ce débat-là, en réalité, nous, on n'en veut même pas au Burkinabé. Moi, honnêtement, moi, je n'en veux pas au Burkinabé, je n'en veux pas aux Guinéens, je n'en veux pas aux Maliens, je n'en veux à personne. J'en veux juste à ces politiciens, plus précisément au FDR, au RHDP, qui a fait plus la promotion de l'impunité chez l'étranger, comme si un quitus lui avait été donné pour narguer, insulter, tuer l'Ivoirien, et puis ça va pas quelque part, parce que le pays, là, ça appartient à tout le monde, pas seulement aux Ivoiriens. C'est à eux. C'est eux, là, les responsables de tout ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, si je veux qu'une loi soit votée, comment est-ce que vous pouvez comprendre que les 5 Ivoiriens qui s'intéressent à la politique ivoirienne, qui sont en train de... Même si on peut penser qu'ils s'invectivent ou qu'ils dénoncent de la mauvaise façon, mais ils sont en train de participer pour leur part à la contribution à l'édification de la nation. Eux, là, on les prend pour les mettre en prison. Et vous avez des Burkinabés qui viennent, qui prennent, ils prennent une photo et puis ils mettent, ils disent, commencez, on va vous découper comme on a fait. Hein, on l'a fait en 2011, là. On va vous découper qu'on puisse en parler quelque part. Et puis, on le voit, jamais il va aller en prison. Mais pour les jeunes gens ivoiriens qui vont dénoncer le régime, ils sont traqués comme des rats dans leur dernier retranchement. D'autres personnes sont obligées de s'exiler juste parce que ce gouvernant-là ou ce gouvernement défend plus l'étranger qu'il ne défend l'ivoirien lui-même. Mais un gouvernement, quand il arrive, là, il défend qui? Il défend d'abord le droit du citoyen avant de défendre le droit de l'étranger. Il défend l'étranger pour ne pas qu'il soit maltraité et il dit à l'étranger, tu n'es pas chez toi ici. Donc voici comment est-ce que tu dois te comporter. Voici comment ça se passe. Vous ne pouvez pas insulter, calomnier l'ivoirien ou bien le brimer et puis monter la cote de popularité de l'étranger pour dire que non, tu peux faire ce que tu veux puis ça ne va pas quelque part. Mais ici, chaque jour, nos politiciens, entre nous, on peut se parler. Mais quand des Burkinabés se mêlent au débat politique et que des Ivoiriens leur disent « Ne vous mêlez pas du débat politique là », est-ce qu'on t'a insulté? On t'a pas insulté? Non, tu ne dois pas te mêler du débat politique. Tu ne dois pas te mêler du débat politique parce que tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire pour ça. Tu es venu ici là pour chercher ta nourriture et puis manger, aller chez toi. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Que les Ivoiriens se battent entre eux, toi tu dois être un conciliateur. Parce que si ce pays-là brûle, tu as fui la misère pour venir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu vas retourner dans la même misère. Parce que si le pays brûle, le pays va brûler pour tout le monde, il ne va pas brûler pour toi. Et comment est-ce que des gens peuvent penser que, des étrangers peuvent penser que, eux, le pays-là, vous allez mettre en minorité ceux à qui appartient le pays. Dieu même ne va jamais vouloir ça. Dieu lui-même, là, il ne va jamais accepter ça. Ça veut dire que ça ne... It's not gonna happen. Ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu a donné le territoire à chacun. Dieu ne va pas accepter que toi tu quittes chez toi pour venir mettre en minorité quelqu'un chez lui et puis tu prends le pays et puis lui tu le mets comme un esclave ou bien un moins que rien et puis tu marches sur lui. Ça ne peut pas arriver et ça ne va pas arriver en Côte d'Ivoire. Donc si l'Ivoirien aujourd'hui réagit comme un peuple qui a siégé, mais il a raison, c'est le RDR qui a provoqué ce débat. C'est lui qui provoque ce débat. C'est lui qui fait croire, qui aujourd'hui peut faire croire qu'en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien a moins de droits que l'étranger. Et que ce débat ne devrait pas. Mais ce débat doit avoir lieu. Pourquoi ce débat ne devrait pas avoir lieu? Ce n'est pas un pays qui appartient à tout le monde. Mais c'est quand même un pays, c'est quand même un pays délimité par des frontières, qui a un hymne national, qui a un drapeau. Mais c'est un pays qui a une identité. Ceux qui y habitent s'appellent les Ivoiriens. Et si tu n'as pas de carte d'identité ivoirienne, on dit que tu es un étranger, on ne t'a pas insulté. Tu es un étranger. Si tu le vois comme une insulte pour ne pas qu'on t'insulte, va chez toi.
Si moi, je suis fatigué de rester ici, que les Américains me fatiguent, viens chez moi à la maison. On ne va pas chasser un Guibérois. Je vais chez moi. Je n'ai pas peur de rentrer chez moi. Je vais chez moi. Vous comprenez? Et pourquoi est-ce que vous voulez que les gens se sentent mal dans leur peau quand il s'agit de ce débat? Ils ne peuvent pas se sentir mal dans leur peau. Non! Ils ne peuvent pas se sentir. Pourquoi vous voulez que les gens aient mauvaise conscience? Les Ivoiriens ne peuvent pas avoir mauvaise conscience parce qu'ils sont chez eux. Vous ne pouvez pas leur demander de renoncer à leur droit, de renoncer à leur prérogative au profit de l'étranger et que lui, il fasse, comment dire, il fasse la courbette devant l'étranger quand il s'agit d'un débat pour construire sa propre nation. Que ce soit l'étranger qui a plus de voix que lui, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Écoutez, on ne peut pas aujourd'hui mettre l'Ivoirien dans ce carcan pour lui dire « Tais-toi, tu n'es pas chez toi ». Non, il est chez lui. Et puis le pays n'appartient pas à tout le monde. Le pays là n'appartient pas. Non, on a construit, lui, en France, là, les immeubles. Il y a des Maliens qui ont construit là-bas. C'est pour la France. C'est pour la France. Vos parents qu'on a ramassés au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, pour aller construire la France. Là. C'est pour la France. C'est pas pour la France. Tu as construit, on t'a payé, tu rentres chez toi. C'est pas pour toi le pays. Donc que tu sois venu cultiver une terre, que tu aies planté quelque chose, c'est pas chez toi. Voilà. Mais là, si tu veux devenir Ivoirien, tu deviens Ivoirien. Mais même si tu deviens Ivoirien, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas être forcément comme celui qui est l'Ivoirien de naissance. Lui là, il est chez lui. Toi, tu dois savoir comment tu manges. Ça, ce n'est pas une insulte quand on dit ça à quelqu'un. C'est pas une insulte. Tu auras désormais le droit de vote, tu peux participer au débat, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire, camarade. L'Ivoirien ne peut pas aujourd'hui être traité de xénophobe. Dites-moi, dans quel secteur d'activité l'étranger n'est pas? En Côte d'Ivoire. Dans quel secteur d'activité, il n'y a pas d'étranger en Côte d'Ivoire? Dans quel secteur d'activité? On parle de ça, les gens disent, tu es pasteur. Mais oui, ici, là, on aborde toutes les questions. Donc moi, je peux aborder toutes les questions, je suis très à l'aise avec ça. Dans quel secteur d'activité en Côte d'Ivoire? Même président, mais ils sont là-bas. Alors, c'est dans quel secteur d'activité vous n'êtes pas? Dans quel secteur d'activité l'étranger n'est pas en Côte d'Ivoire? Ils sont dans tous les secteurs d'activité. L'étranger dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Ils vendent le bois, le charbon, poisson, la viande. Ils font tout. L'Ivoirien achète là-bas. Ils sont dans tous les secteurs d'exploitation. L'or, tout, les mines, ils sont là-bas. Moi, j'ai vécu au nord, à Kani. Je passais par Diarabana. Quand vous arrivez à Diarabana, vous avez des Koyaka, mais vous avez des Maliens qui sont là-bas. Des gens qui sont venus à la recherche d'une vie meilleure et qui sont à Diarabana, qui est à quelques encablures de Kani. Alors, donc, pourquoi est-ce que vous voulez que les gens se sentent mal chez eux en abordant cette question? Dans quelle situation, dans quel secteur d'activité l'étranger n'est pas en Côte d'Ivoire? Dans quel secteur d'activité? Dans quel secteur d'activité? Et quelqu'un va me dire, mais non, pourquoi est-ce qu'on mélange nos frères du Nord? Mais nos frères du Nord n'étaient pas mélangés. C'est nos frères du Nord qui ont pris parti, qui sont plus étrangers en Côte d'Ivoire, comme les étrangers eux-mêmes, et qui se sont mis avec d'autres personnes pour lutter contre leurs propres frères. C'est ça la vraie vérité. Moi, je parle d'un Burkinabé. Je discute avec lui. Mais c'est le frère du Nord qui vient discuter pour dire, pourquoi vous nous rejetez? Mais est-ce que j'ai parlé de toi? J'ai dit, il est étranger. Je n'ai pas dit, toi, tu es étranger. Mais là, pourquoi toi, tu t'assimiles à lui? Voilà comment Alassane Ouattara et le RDR se sont arrangés pour changer la mentalité des gens. Ils se sont arrangés pour pervertir la mentalité des gens. Et aujourd'hui, on nous laisse sur le plateau, mais un pays avec des clivages exacerbés, mais c'est incroyable. Ce pays-là est une bombe à retardement. Cette Côte d'Ivoire que vous voyez est une bombe à retardement. Voilà l'héritage que Alassane Ouattara voulait nous laisser. La nouvelle génération dont il parlait, c'est la guerre qu'il voulait nous laisser. Parce que jamais autant, ce pays n'a été divisé comme maintenant. Avant, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, regardez comment des gens font des vidéos. Ils ne vont pas en prison. Hein? Et ils ne vont pas en prison. Moi, j'ai dénoncé, comment dire, les microbes. Ma vie était en danger, j'étais obligé de quitter Abidjan. Encore que je dénonçais un fait qui existait
que le Saint-Esprit m'a révélé, le Saint-Esprit m'a poussé à dire des paroles, mais pour ça, ma vie menacée, je suis obligé de quitter la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous avez des cyberactivistes RADP qui prennent leur téléphone, ils sont très à l'aise, et puis ils disent, achetez vos machettes, on va les découper. Et puis ça ne va pas quelque part. Il ne va pas aller en prison. Mais quand un autre qui est taxé de pro-bago dit, on va vous tuer aussi, ça devient un débat national. Mais à partir de ce moment-là, mais arrêtez-les les deux. Ou alors arrêtez celui qui a commencé. Et puis ce n'est pas les premiers. Chaque jour, ils font des postes. Mais diantre, même s'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, pas. De toute façon, Adou menace qu'on va aller les chercher dans les pays là. Mais il y a le droit de poursuite qui existe. Les gens, ils ne sont pas loin, ils sont à côté. Ils ne sont même pas en France, ils ne sont pas aux États-Unis où il n'y a pas de. Vous ne pouvez pas venir saisir un Américain ici pour l'amener là-bas, etc. Où vous n'avez pas d'échange de prisonniers ou bien d'échange juridique, même je ne sais pas comment on appelle ça. Mais au Burkina où les gens sont là, vous pouvez les prendre là-bas. Vous pouvez taper pour savoir d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce que ces gens-là balancent ces messages. Vous pouvez le faire, mais vous ne le faites pas. Et ça m'amène à mon deuxième point, au procureur Adou, qui est tant zélé pour arrêter les Ivoiriens, tant zélé pour casser du pro-bago, parce que je crois qu'il est là, c'est pour ça. Moi, je ne veux pas que vous me preniez pour un pro. Moi, je lime tout le monde, et extradition, merci. Moi, je lime tout le monde, lui qui se présente, il fait mal, je le lime. Et pour maintenant, c'est vous qui faites mal. Donc on est sur vous. Regardez votre fin de mandat, comment le pays est devenu. Regardez comment ce pays-là est devenu. Regardez comment le pays est devenu. Je vous dis la vérité. Regardez comment le pays. Regardez l'héritage que vous laissez à la Côte d'Ivoire. Regardez l'héritage que vous laissez au pays. Les accords d'extradition, merci beaucoup. Regardez. Ce que vous laissez au pays comme héritage. Des clivages contre le pays. Des étrangers ramassés en convoi pour venir être un bétail électoral. Venir travailler dans des mines que le président Bédi appelait les orpailleurs clandestins. Quand on en parle, parce que quand ils viennent, après ils ne retournent pas chez eux. Ils sont assis, parfois ils sont là de façon illégale. Et quand il n'aura plus d'or à exploiter, ils ne sont pas insérés dans le tissu social, ils deviennent quoi? Ils deviennent des braqueurs. Ils deviennent des tueurs. Ils sont dans le pays. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et pour moi, je pense que l'étranger a sa place en Côte d'Ivoire. Il peut faire ce qu'il veut. Tant que cela respecte la loi, ils peuvent travailler dans le pays. Ils peuvent travailler. Il n'y a pas de problème. Mais la Côte d'Ivoire appartient au pays. Quelqu'un vient d'écrire, non, les Ivoiriens ne travaillent pas. Les Ivoiriens ne travaillent pas où? Les Ivoiriens qui vous donnent du travail. C'est parce que lui, il a travaillé qui te donne du travail. Pourquoi tu veux que quelqu'un, toi tu es boy, toi tu veux que lui soit boy comme toi. Il est boy comme toi, pourquoi? Si tu travailles chez moi, que toi tu es mon gardien. Pourquoi toi tu veux, toi tu penses que moi il ne travaille pas? Non, si je peux te payer là, c'est parce que j'ai de l'argent quelque part pour te payer. C'est pourquoi je t'emploie comme boy chez moi. Donc arrêtez ce discours-là, on n'est pas encore là-bas. Voilà, les discours à 2 pour 5 francs, là, on n'est pas encore là-bas. Vous comprenez? Voilà, on n'est pas encore là. Le plus important, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que vous compreniez que le RDR a bousillé le pays, mais tranquille, moi j'ai peur pour demain. Parce que ce que les gens ont semé dans les cœurs est plus fort que ce que vous voyez aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Ce que les gens ont semé dans les cœurs est plus fort que ce que vous voyez aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont intégré dans leur tête que même si aujourd'hui ils perdent le pouvoir, ils ont un autre moyen, c'est de faire la guerre. Oui, oui, parce qu'on a semé ça dans leur tête. Leurs leaders ne sont pas contre ces idées-là. C'est quoi ce pays où tout se fait par la violence? Tout se fait par la force. C'est quoi ce pays où tout se fait par la violence? On n'est pas obligé d'être violent. C'est parce qu'on n'est pas comme des animaux que, vous savez, quand vous naissez, vous avez ce qu'on appelle le principe de réalité, la loi. Qui nous différencie des animaux? C'est pourquoi on met des lois. Le problème est qu'en Côte d'Ivoire, on encourage des gens
à ne pas obéir à la loi. Et ça, c'est le RDR. Ça, c'est le RDR. Je ne suis pas juriste, mais je sais dans ma petite, lecture, je croisais ce qu'on appelle le principe, je croisais ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, et si vous voulez, la hiérarchie des normes juridiques. La hiérarchie des normes juridiques. Et donc, vous avez la plus haute norme chez nous, en tout cas en termes de loi, avant qu'on ne parle des traités, des lois, etc., des décrets et tout ça, vous avez ce qu'on appelle la Constitution. C'est la plus grande norme dans notre pays. Mais même la Constitution, les gouvernants eux-mêmes ont du mal à la respecter. Même la Constitution. Mais si vous ne respectez pas la Constitution, quel est le modèle de citoyen que vous voulez que les autres soient? Les étrangers même vous regardent et vous voulez qu'ils marchent même sur votre propre Constitution. Mais ça veut dire que le pays n'a plus d'identité. Parce que notre identité, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Voyez, il y a eu un débat qui a eu lieu aux États-Unis, je crois que c'était l'année dernière. Et ce débat, c'était que Trump avait émis l'idée d'annuler ce qu'on appelle le droit de sol. Le droit de sol ici, c'est-à-dire que quand vous prenez votre grossesse à Kumasi, quand vous venez ici vous accouchez, l'enfant est américain automatiquement. On appelle ça le droit de sol. Tiens. Et Trump a dit qu'il va prendre, et il pensait à prendre un décret ou quelque chose comme ça. Où pour lui, c'était pas un big deal. Il pouvait faire rapidement et puis enlever ça. Et puis, quand tu accouches ici, ton enfant n'est pas forcément américain. Les Américains ont dit non, c'est pas aussi simple que ça. Que c'est un long débat, c'est une longue tractation parce que c'est tout ça, c'est la Constitution. On ne peut pas changer les choses comme ça. On ne peut pas changer, on ne change pas ça, on ne prend pas un big pour changer. Non, je me lève et puis je prends un décret, j'ai changé la Constitution. Non, on ne va pas ça ici. C'est pourquoi ici, ils ont 25 amendements, ils ont bien fait ça. On ne change pas ça comme ça. Mais chez nous, là, qu'est-ce qu'on fait? On change la Constitution du jour au lendemain. Donc, dans la hiérarchie des normes juridiques, nous-mêmes, là, on ne respecte pas notre propre pays. On ne respecte pas notre propre constitution. On ne respecte pas nous-mêmes nos propres lois. Tenez, pour exemple, vous vous levez dans un pays au motif qu'il y a le coronavirus qui tue les gens. Bien. Vous vous levez et vous dites, voici les mesures qui sont arrêtées. Vous ne devez plus vous réunir à hauteur de plus de 50 personnes. OK? Vous avez confiné le Grand Abidjan, vous l'avez déconfiné ensuite. Et vous ne dites pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Mais pourtant, il y a depuis 2-3 jours. Mais regardez. Et puis c'est montré par la RTI. Mais ça veut dire que vous devez vous cacher. Quelle est l'image que vous projetez à l'extérieur? Comment vous allez expliquer ça aux gens? Vous allez expliquer ça comment? Vous avez des rassemblements politiques qui ne sont que RDR. Il y en a eu lieu à Korogon, on va dire, c'est à cause de Amadou Koulibaly. Au parc des sports, on va dire, c'est Amadou Koulibaly. Mais ça encore, c'est même pas une raison. Ce n'est même pas une raison parce que dans ce même pays-là, les gens ne peuvent pas faire de funérailles. Ils ont été confinés à Abidjan, ils ne peuvent pas envoyer le corps de leurs parents. Il n'y avait pas d'exception. Donc vous n'avez pas dit que c'était une exception au cas où un ministre mourait. Non, ce n'est pas une exception. Tout le monde est logé à la même enseigne quand il s'agit des lois. Dès que ça finit, des lois prend des milliers de gens. Palais de la culture, des milliers de femmes. Port-Boué, des milliers de gens. Et puis eux-mêmes, ils en sont fiers. Ils prennent les photos, on monte sur les caméras, on fait des reportages, tout ça. Et puis ils disent, le président Ouattara, on leur demande des rois corrompus qui vont s'asseoir là-bas ou des chefs corrompus qui vont s'asseoir. Tout ça, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que ça, ce n'est pas un problème. Mais tout de suite, là, une église a fait du croisade d'évangélisation. Vous allez voir le zèle de Bagondo pour venir arrêter les pasteurs et les mettre en prison parce qu'ils n'auraient pas respecté les mesures barrières. Pendant que eux-mêmes donnent donne l'exemple, c'est-à-dire ne pas respecter les mesures barrières. Dans quel pays est-ce qu'on est? Dans quel pays est-ce qu'on est? On est dans quel pays? On est dans quel pays? Dites-moi, dans quel pays est-ce qu'on est? Donc aujourd'hui, on ne respecte rien et on veut que tout le monde ne respecte rien. On ne respecte rien et l'étranger devrait avoir peur en Côte d'Ivoire de dire quelque chose.
Mais non, chacun dit ce qu'il veut. Et ils viennent encore sur le direct. Vous allez les voir, hein, c'est encore eux. Quand ils arrivent, là, la première insulte, ta mère con, un chien sauvage. C'est leur seule expression. Ils ne peuvent pas mener de débat politique. Ils ne peuvent pas mener de débat intellectuel. Ils ne peuvent rien mener comme débat. Quand ils arrivent sur un direct, là, ils arrivent d'abord avec des injures, ils arrivent avec des imprécations, et puis ils finissent et s'en vont. C'est comme ça qu'ils s'identifient. Et c'est comme ça qu'on les a toujours tolérés. C'est comme ça que ce gouvernement-là les tolère. Parce que le gouvernement estime que eux, là, ils sont prêts pour eux. Mais ça va vous surprendre. À mes frères étrangers, là, je vais vous dire, la vie, là, ça ne s'arrête pas à un gouvernement. Félix Houphouët-Boigny, quand vous alliez chez les bétés, il y a des vieux, mais quand vous les disiez, Houphouët, hein, Houphouët, ils disent, jour, ça veut dire, tu mens, parce que Houphouët ne meurt pas. Tu as compris? Nos parents, là, disaient que Houphouët, là, il ne meurt pas. Houphouët a plusieurs vies. Il peut venir ici, il se transforme, il est ici, il ne meurt pas. Mais pourtant, Houphouët est mort, hein. Houphouët est mort. Voilà le PDCI, comment il est devenu aujourd'hui. Le tout-puissant PDCI, le voilà. Pour vous dire que la ville, on ne joue pas avec. La ville, on ne joue pas avec. Dieu est en haut, nous sommes en bas. Si vous n'avez pas d'humilité pour respecter le peuple qui vous a reçu, pour respecter le sol qui vous a reçu, si vous n'avez pas d'humilité, si vous n'avez pas d'humilité pour respecter le peuple qui vous a reçu, c'est que vous-même, là, vous courez à votre perte. Parce que ce peuple aussi n'aura, en un moment où il sera puissant, aucun remords de vous ramener chez vous et de dire partez chez vous, de vous mettre en minorité, de vous déposer de ce que vous avez. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand vous tenez ce genre de discours, les Ivoiriens vous regardent. C'est ça que vous ne savez pas. Ils disent, probablement, ce gouvernement-là est avec eux. Donc, qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils continuent de dire ce qu'ils veulent. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ne continuez pas à faire ça. Ne continuez pas à faire ça. Ne continuez pas à narguer des gens qui vous ont reçus chez eux. Ce n'est pas un droit que vous avez. On appelle ça l'hospitalité. Et je vous ai dit, c'est une question divine. Vous arrivez chez quelqu'un qui vous reçoit, qui vous donne à manger, qui vous donne cette terre. Vous vivez là, vous êtes à l'aise, vous faites vos enfants. Vous ne narguez pas, vous ne tuez pas ce peuple. Parce que si lui-même il ne se défend pas, Dieu va réagir. Dieu lui-même là, va réagir. Pendant que dans ce pays-là, vous faites tout ce que vous voulez. Dans vos pays, les Ivoiriens sont mis en minorité. Ils ne font pas tous les boulots. Mais pourtant, vous, dans tous les secteurs d'activité, vous êtes. Mais dans d'autres pays, où quand un Ivoirien veut conduire un taxi, tout le monde se rébelle. Pour dire, on ne veut pas qu'il conduise des taxis ici. Voilà comment la Côte d'Ivoire est devenue. Voilà comment nous, on est traités. Mais l'Ivoirien a toujours continué à être Ivoirien. Parce que les couples mixtes, ça existe. Burkinabé malien, Burkinabé Ivoirien, ils ont fait enfant. Ce n'est pas mauvais. Il y en a, ça existe. Pourquoi vous voulez faire croire que l'Ivoirien est tellement mauvais et qu'aujourd'hui vous êtes en position de force parce que vous avez un gouvernement qui est derrière vous pour pouvoir exterminer les autres? Ne faites pas ça. En fait, ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Le RDR, bientôt, il va passer. Le RDR, ça sera fini pour lui. Il va passer. Quand il va passer là, vous allez vous comporter comment? Parce que les autres qui vont venir là, eux, ils ne vont pas se retenir. Ils vont vous chicoter. Et vous allez trouver qu'ils sont xénophobes. Mais ce que vous avez fait, là, c'est ça qu'ils vont réparer. Pour ne plus que ça arrive. On ne fait pas ça. Quelqu'un te reçoit, tu le respectes. Quelqu'un te reçoit, tu baisses ta tête. Quelqu'un te reçoit, tu lui fais du bien. Quand vous arrivez sur les directs, là, on vous connaît. Quand vous arrivez là, chien, sauvage, maudit, là, c'est tout ce que vous savez faire. La violence verbale. Vous ne savez pas, vous savez pas écrire français, hein, mais c'est vous qui savez insulter en français. C'est tout ce que vous connaissez. Quand on va sur tous les réseaux, là, quand vous arrivez, là, on met un débat politique tout de suite. Quand il y a un débat net, là, ils commencent à insulter. Je ne sais pas pourquoi vous vous identifiez de cette façon. Comme si vous avez trop de force. Vous êtes trop fort. Et que les gens ne peuvent pas se défendre. Vous pensez peut-être que l'armée, là, ce sont vos frères. Mais attention, l'armée ivoirienne existait avant que vos frères n'arrivent. Donc, ne croyez pas que tous ceux qui sont là-bas là, sont prêts à mitrailler tous les Ivoiriens.
pour vos beaux yeux. Ce n'est pas possible. Et Ouattara lui-même, là, il sait ça. Gueye a oublié ça. Si un groupuscule de personnes est prêt à tirer, toute l'armée ne peut pas tirer. Quand il a pris son hélicoptère, il a survolé Abidjan, il a vu, il dit, mon frère, ramassons les bagages, fuyons. Vous comprenez? Donc ne pensez pas que l'armée, ou les, quand on monte les forces spéciales, et c'est eux, les forces spéciales, mais ce n'est pas vos forces spéciales. C'est les forces spéciales de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous amuse tant? Qu'est-ce qui vous amuse tant? Et vous faites que les gens, vous voulez faire croire que l'Ivoirien est tellement mauvais. L'Ivoirien n'est pas mauvais. Moi, je suis contre le discours qui est donc tuer les étrangers. Moi, je suis contre ce discours. Non, moi, je ne peux jamais demander à quelqu'un de tuer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Mais je peux demander à mon pouvoir de rapatrier des gens. Ça, là, je peux faire ça. Oui, tuer là. Non. On n'a pas le droit d'enlever la vie. Mais on a le droit de rapatrier des gens. Oui, et pour moi-même, Je pense que le prochain gouvernement qui va arriver, ceux-là, ils ne sont pas prêts à faire ça. Il aura un ministère de l'immigration pour que ce pays-là soit respecté. Ça veut dire que quand tu vas rentrer, là, tu payes 4, on va appeler ça la carte orange, tu vas payer ta carte orange. Tu auras un processus comme ici aux États-Unis pour devenir ivoirien. On va te suivre. Tu dois payer tes taxes. Si tu n'as pas un compte bancaire, tu ne payes pas, tu ne travailles pas. Si tu ne participes pas au pays, tu vas quitter. Tu vas chez toi. Vous comprenez? Quand les gens commencent à faire ça, vous allez dire non, c'est mauvais. Pourtant, vous êtes d'accord quand les Blancs font ça. Vous êtes d'accord quand les Français font ça. Vous êtes d'accord quand les Belges font ça. Vous êtes d'accord quand les Anglais font ça. Mais quand vos pays font ça, vous n'êtes pas d'accord. Non, ils sont xénophobes. C'est là-bas, en Afrique du Sud, que les Sud-Africains se sont levés pour massacrer les étrangers. Nous tous, on a dit que ce n'est pas normal. Vous avez déjà vu ça en Côte d'Ivoire? Ça n'est jamais arrivé. C'est toujours le contraire. Les Boukiabé qui s'énervent, qui vont brûler les villages de Baoulé, qui brûlent les villages de Oué, et puis ils sont contents. C'est Amadé Ouremi, un Boukinabé qui a pris ses frères. Ils ont possédé le mont Péco, ils ont brûlé des villages, ils ont massacré des gens, et puis ils sont assis. C'est en Côte d'Ivoire seul. Et puis ça, là, la communauté internationale se tait. Tout le monde est tranquille. C'est normal dans le meilleur des mondes. On peut avancer. Quand on parle de ça, on dit les Ivoiriens sont xénophobes. Oui! Vous n'allez pas nous donner une mauvaise conscience, quoi. Oui. C'est ça qui est quoi? Oui. Oui. Et puis après. Ici, là, quand vous allez sur le site de l'immigration américaine, c'est mis en haut. Hire American. Embaucher américain. C'est écrit là-bas. Embaucher américain, consommer américain. C'est sur le site de l'immigration. Voilà. On dit d'embaucher les... Ça, c'était chez nous. Oh, on dit non. Il n'a qu'à embaucher les Ivoiriens seulement. Ils sont contre. Ici, là, c'est comme ça. Quand il est venu, sa politique était claire. Make America great again. C'est comme ça que lui, il est venu. Quand il est venu, là, c'était pour ça. Make America great again. C'est quand il est venu, là, c'était comme ça. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, frère, on ne fait pas ça, les étrangers. On ne fait pas ça. Ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Vous sautez sur les réseaux sociaux, là. Vous insultez parce qu'on ne peut pas vous arrêter. On ne fait pas ça. Le retour du bâton, c'est la loi. Un jour, ça va se retourner. Vous n'aurez plus Abdou Richard pour vous protéger. Vous n'aurez plus Kandia Camara pour vous protéger. Vous n'aurez plus Alassane Ouattara pour vous protéger. Vous n'aurez plus Ahmed Bakayoko pour vous protéger. Vous n'aurez plus Gonkou les morts même. Vous n'aurez plus tous ces gens-là pour vous protéger. Est-ce que vous avez pensé à demain? Les Didas disent Zekeza, c'est-à-dire à cause de demain. Est-ce que vous avez pensé à demain? C'est-à-dire que lorsque ce gouvernement ne sera plus là, est-ce que vous, là, vous avez pensé à demain? De comment vous allez vous comporter? Comment les autres vont vous regarder? Comment les autres vont vous voir? Quand le gouvernement va changer, là, comment on va vous voir? Même vous, les frères du Nord, ce que vous faites, là, on ne fait pas ça. Ce que vous faites, là, on ne vous a jamais fait ça, on ne fait pas. Moi, je suis de Guibéoua, chez moi au village, là. J'ai dit, il y a des gens, des Maliens qui sont chez moi depuis avant que je les naisse. Ils sont des Maliens, ils sont fiers de l'être et ils parlent bêté. Ils sont là-bas. On ne les a jamais chassés. Mais vous, là, on ne fait pas ça. Ce que vous faites, là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je vous assure. Alors, il ne faut pas que le débat sur l'identité, sur
la nationalité te dérange. Faut même pas que tu aies mauvaise conscience. Non, on ne peut pas avoir mauvaise conscience. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas mettre les gens mal à l'aise dans leur propre pays pour un point débat. Pour un débat qui est un débat normal. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'il ne faut pas que les gens parlent de ça. Pourquoi? Ils sont dans le pays, ils peuvent parler de ça. S'ils ne parlent pas de ça, ils parlent de quoi? S'ils ne parlent pas de ça, là, ils parlent de quoi? De quoi est-ce qu'ils parlent? Ils doivent parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ils parlent de ça. Il faut qu'ils parlent de leur pays. Il faut qu'ils parlent de ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. Et s'ils se sentent menacés, mais il faut qu'ils parlent de leur sécurité. Il faut qu'ils parlent de leur sécurité. Ils parlent de ce qu'ils sont, de ce que le gouvernant ne veut pas les protéger. Alors je vous en prie, les étrangers là, restez en dehors des palabres internes à la Côte d'Ivoire. Ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Alassane Ouattara a utilisé ça comme un leitmotiv politique, comme un programme politique. Oh, les étrangers. Mais il n'est pas éternel. Il va partir un jour. Croyez-moi, des gens sont en train déjà de travailler sur, comment dire, un projet d'un ministère d'immigration en Côte d'Ivoire. Je vous informe. C'est-à-dire qu'on va passer en revue même l'acquisition des cartes d'identité à une certaine période. Les distributions que vous avez là, il faut que ça laisse des traces. On va passer ça en revue. On va tester ça pour voir si ça résiste à la logique, si ça résiste à la réalité. Autrement dit, on va t'arracher ta nationalité, on va te ramener chez toi parce que tu as triché. On peut même te mettre en prison parce que tu as triché. Vous ne savez pas ça? Des gens travaillent dessus. Oui, il y aurait un ministère d'immigration un jour en Côte d'Ivoire. Et les Américains ne peuvent pas se plaindre de ça. Les Français ne s'en plaindront pas. La CEDEAO ne va pas s'en plaindre non plus. Parce qu'ils peuvent aussi appliquer ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce pays-là aura un ministère d'immigration où chacun saura qui il est. Où quand tu rentres en Côte d'Ivoire, on sait où tu es, où tu habites, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, quand tu es rentré, quand tu vas sortir. Vous pensez que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens? Elle a les moyens de faire ça. C'est juste la malhonnêteté politique là, qui a fait qu'on est là. Sinon, c'est un problème qui aurait été réglé depuis longtemps. Depuis longtemps, ça aurait été réglé. Ça aurait été réglé depuis longtemps. Je vous dis la vérité. Ce que vous faites là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Moi, on me dit étranger, je suis content. Ça veut dire que je viens bien de quelque part. Voilà, je ne suis pas patriote. Étranger, oui, je me conduis. Tu veux. Je dis non, je suis ivoirien. Je suis dans Côte d'Ivoire. Je retourne chez moi. C'est tout. S'il vous plaît. Alors, je vous en prie. Prions pour notre pays et n'ayez pas peur de ce qui arrive. C'était le premier point de mon intervention ce jour. Sur les étrangers. Voilà. Moi, je ne vous demande pas d'aller tuer. Mais je dis au procureur Abou, il y a des gens qui ont fait des vidéos pour dire aux nordistes de payer des machettes, de payer des armes et de garder chez eux. Parce que quand ça va commencer là, ils vont massacrer les autres. Procureur Abou, lui qui a dit ça là, il a des cheveux, on dirait que c'est un cyberactiviste RDR. Tu l'as mis en prison, est-ce que tu as fait une conférence de presse pour ça? Toi qui es si zélé pour faire des conférences de presse, toi qui es si zélé pour trouver des preuves sans faire enquête, là. Frère, je te demande, je dis au procureur, ces gars qui ont dit ça, toi tu ne les vois pas, qui ont dit qu'ils doivent acheter des armes pour tuer. Ils vont tuer Bédier. J'ai vu un qui a fait un direct. On va Bédier, on va te tuer. Bédier, on va te tuer. Procureur Adou, tu as entendu, ils sont là. Tu les as arrêtés? Ou même la PLCC, là, vos machines sont gâtées. Vous ne savez pas qu'on doit arrêter ces gens-là aussi. Vous ne savez pas qu'on doit les arrêter. Ils sont là. Ils sont là. Chaque jour, ils font des vidéos pour menacer les Ivoiriens, pour les menacer de mort. Ils n'ont que la mort dans la bouche. Ils n'ont que la violence dans la bouche. C'est ça seulement qu'ils connaissent. On va le tuer. On va verser le sang. Procureur Adou, le gars, le Al-Mustapha, là, qui a menacé les catholiques, là, il est encore en Côte d'Ivoire. Procureur Adou, les gens qui ont dit ils vont verser le sang des catholiques comme pour leur Jésus, là, ils sont encore en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Est-ce qu'ils ont été arrêtés, procureur Adou? Ils n'ont jamais été arrêtés. Mais il y a un qui donnait des informations sur Internet, il s'appelle le drone. Il s'appelle le drone, je ne sais plus comment il s'appelle là-même. Il a un nom entier.
Il s'appelle le drone. Le drone là, Yapi quelque chose, je ne sais pas comment il s'appelle. Ils l'ont mis en prison parce que le petit, il prend des informations et puis il donne. Mais lui là, pour eux, il est plus dangereux que quelqu'un qui fait une vidéo et puis qui dit, on va tuer Bédier. On va tuer Bédier. Ça là, le procureur Adou est d'accord avec ça. Ça là, les gouvernants ivoiriens sont d'accord avec ça. Ça là, les ministres sont d'accord avec. Tant que leurs poches se remplissent, tant qu'ils ont l'argent, tant qu'ils peuvent tout défendre leur poste, les Adjoumani et consorts, ils ne voient rien, Serge Kofi, voilà. Tant qu'ils ne voient rien, tant qu'ils ne voient rien se passer, là, frères, eux, ils sont contents. Eux, ils sont contents. Ils s'en fichent. Mais vous, les ministres qui ne dites rien aujourd'hui, vous, les ministres qui ne dites rien aujourd'hui, là, vos jours sont comptés. Ne pensez pas que vous allez semer le désordre. Et puis après, vous allez vous réfugier dans un parti politique. Parce que ça a été toujours comme ça en Côte d'Ivoire. Et j'en veux à tous les présidents qui sont passés bien avant vous. J'en veux à tous les présidents qui sont passés avant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne règle pas les problèmes. En Côte d'Ivoire, ça veut dire que vous avez aujourd'hui une femme comme Candia. Regardez-la. Hein. Un bon matin, Candia va devenir, elle va devenir peut-être PDCI ou bien FPI. Et puis personne n'en parlera. Candia sera acclamée. Tout ce qu'elle a fait avant, là, on va fermer les yeux dessus. C'est le plus grave. Maintenant, elle est de l'autre côté. On peut marcher. Tant que la personne qui a fait le tour dans le pays passe dans le camp, dans le camp adverse qui a le pouvoir, il n'y a pas de problème. Il n'a rien fait. Voilà comment des malhonnêtes traversent parti politique après parti politique, génération après génération. Ils sont là parce qu'ils sont malhonnêtes, parce qu'on ne leur a jamais demandé des comptes. On ne les a jamais placés devant la nation pour pouvoir s'expliquer vis-à-vis de leurs décisions, vis-à-vis de leurs actions. On ne les place jamais devant la nation pour qu'ils s'expliquent sur ce qu'ils ont fait à la nation, pour qu'ils rendent compte du denier public qu'ils ont volé, pour qu'ils rendent compte de l'argent qu'ils ont volé, de l'argent du contribuable qu'ils ont pris, pour qu'ils rendent compte de leurs avoirs, leurs immeubles, les comptes en banque pleins, pour qu'ils rendent compte. Mais je vais vous dire une chose, la Bible dit que le tyran, là, le tyran ne peut pas jouir de sa richesse. Le tyran, tu ne peux pas faire ça, tu vas voir. Tu vas voir ça. Ça veut dire que des gens qui ont volé, là, ils savent. Des gens ne veulent pas changer et ils se cachent derrière le pouvoir. J'ai vu une fois Tapedo qui disait, on lui demandait, on dit Babou est sorti de prison, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, lui va faire quoi avec Babou? Lui, que je vais faire quoi avec Babou? Que moi j'étais en prison, un vieux comme moi, c'est Alassane Ouattara qui m'a fait sortir. Parlez-moi d'Alassane Ouattara et du RADP, ne parlez pas de Babou. Mais lui tapait d'eau là même là. Lui tapait d'eau là. Donc toi tu étais à la maison, tu étais en train de boire ton café, tu n'as rien fait. Et puis on t'a pris, on t'envoie en prison. Toi tu n'as rien fait. Toi tapait d'eau, tu n'avais rien fait. Donc ça veut dire que pour vous, et ça a été comme ça toujours, ce pays là, c'est comme ça que le pays là marche. Chacun fait n'importe quoi. Et tant qu'il peut se cacher derrière un parti au pouvoir, le parti au pouvoir te prévient, dit, bon, toi tu es ici, le Conseil économique et social, tous ont fait ces erreurs. On oublie tout de suite ton passé, tout l'argent que tu as volé, là, on ne fait rien avec ça. Tout le temps que tu as fait au pays, on ne fait rien avec ça. On te reconduit, non, bon, toi tu es ambassadeur ici, etc. Voilà pourquoi des gens se comportent comme ça. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le RHDP, il y a beaucoup d'entre eux, les Adjoumani et consorts, là, quand ça va chauffer, mon ami, ils vont replier au PDCI. Et au PDCI, là, ils vont ouvrir leurs bras, ils vont les recevoir. Vous êtes venus chez vous. Pourtant, ce sont des gens qui ont pillé, volé l'argent du pays, mais on peut les recevoir dans un parti politique et les protéger parce que désormais, ils ne sont plus contre vous, mais ils sont pour vous. Voilà comment ce pays a toujours fonctionné. Parce que personne ne rend compte. Parce que personne ne vient dire, voilà ce que j'ai fait là. Voilà aujourd'hui devant le peuple. Voilà, on m'a donné ça pour gérer. Voilà comment j'ai géré. Voici ce qui reste. On ne fait pas d'audit. On ne fait rien. Chacun avance. C'est comme ça que le pays fonctionne. Voilà comment le pays fonctionne. Regardez la FIF. Camarade, regardez la FIF. Vous voyez la FIF, non? La FIF, là, il y a, selon, comment il s'appelle, Choaliot, près de 8 milliards, entre 6 et 8 milliards de dettes. Un trou qui est la FIF. Mais quand le nouveau président va venir, là, eux, ils vont aller soit s'asseoir à la maison. Ils ne vont jamais rendre compte. Les 6 milliards, là, c'est zéro. Ils ont bouffé. Ça ne va pas quelque part. Voilà comment le pays fonctionne. Des criminels vont marcher demain, ils seront dans un autre parti politique au pouvoir. Et puis le pays avance. On va dire qu'il était ici avant, maintenant il est ici. Et puis le pays avance. Personne ne rend compte de ce qu'il fait. Voilà comment ce pays... Mais c'est pourquoi on ne va jamais s'en sortir. C'est pourquoi on ne va jamais s'en sortir. Toi, un vieux, vous avez volé là des cafés cacao, on t'a mis en prison pour ça. Toi, tu dis pourquoi? Bah, t'as pas... Il te libère pour quoi? Tu as volé, tu ne peux pas te libérer.
Lui, au moins, pendant qu'il était là, on a pris ces gars pour les mettre en prison parce qu'il les a prévenus. C'est tout. Il les a prévenus. Frère, voilà comment ce pays-là ne change pas. Voilà comment on arrive. Voilà comment on avance. Vous comprenez? Voilà comment on est aujourd'hui. L'héritage que le RDR est en train de laisser à la Côte d'Ivoire, c'est la guerre, affrontement fratricide entre des peuples, entre des villages. C'est ça que le RDR est en train de léguer à la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité, c'est ça qu'on lègue à ce pays. C'est ça qu'on lègue à cette nation. C'est ça qu'on lègue à ce pays. C'est ça qu'on lègue à ce pays. Jamais autant on a été divisé. Jamais autant. Ce parti-là a profité de ça. Ce parti a réussi à lever une partie de la Côte d'Ivoire contre le Nord. Et pourtant, Dieu seul sait que ce ne sont pas tous les nordistes qui sont avec, que ce ne sont pas tous les nordistes qui épousent leur discours. Ce ne sont pas tous les nordistes qui épousent le rattrapage ethnique. Ce ne sont pas tous les nordistes. Mais aujourd'hui, ils ont fait en sorte qu'il y a, il y a une Côte d'Ivoire avec tous les autres peuples et puis les gens du Nord. RDR, ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Vous allez partir bientôt, mais regardez comment vous allez laisser le pays. Ce qui vous intéressait là, c'est votre argent, vous avez volé. Et je comprends pourquoi vous avez tant lutté pour venir au pouvoir, parce que je ne comprenais pas comment vous luttiez comme ça. C'est à cause de l'argent. Aujourd'hui là, vous bouffez tout. Même quand des gens sont chez eux à la maison, ils sont en train de manger gari, vous arrachez gari là. Pourtant vous mangez michoui. Pourtant, vous mangez le poulet braisé. Pourtant, vous mangez le gros poisson. Mais les petits garis, même eux, ils mangent chez eux à la maison. Là. Vous tapez la porte, vous rentrez, vous prenez le gari encore pour mettre dessus. Il ne faut pas eux vont manger. Tout le monde doit être affamé. Vous devez être les seuls à manger. Il faut un petit business, ça commence à marcher un peu. Vous trouvez un truc illégal, vous frappez ça de rigor morti. Vous cassez l'œuvre parce que vous, là, vous devez manger. Les gens doivent dépendre de vous parce que vous devez être capable de donner 2000 aux gens qui ont faim pour venir remplir les stades, venir remplir les salles, etc. Vous voulez ça. Un groupuscule de personnes. Vous avez une oligarchie, là. Vous êtes un vous là-bas. Vous bouffez l'argent du pays. Voilà comment vous avez rendu ce pays-là. Les autres ont faim. Voilà comment le pays est devenu, camarade. Voilà comment le pays est devenu. C'est l'héritage là que vous laissez aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous savez que vous avez n'importe quoi, maintenant vous pleurez. Non, il avait dit, mais lui-même, il peut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'évoquez même pas la Constitution. Et vous n'êtes pas assez courageux. Si vous êtes assez courageux, là, prenez Ouraga au bout. Prenez, comment dire, Martin Bléou. Prenez, comment on appelle ça? Prenez Ouraga Ogou, Martin Bléou. Prenez Cissé Bakongo. Et prenez le constitutionnel, l'homme de droit, Francis Vaudier. Mettez-les sur un plateau et qu'on discute de la Constitution. Si oui ou non la Constitution permet à M. Alassane Ouattara de se présenter. Et aujourd'hui, vous dites, des gens du FDR disent, ah non, mais c'est que si cette question sera tranchée par le Conseil constitutionnel. Ah! Le Conseil constitutionnel parle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est le même Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. C'est le même Conseil constitutionnel. Attendez, il y a quelqu'un. Bon, il y a des animaux souvent qui sont là. Il faut juste les bloquer. Voilà, c'est pas nécessaire. Il faut juste les bloquer, puis c'est bon. Vous voyez, c'est eux, quand ils arrivent là, leur premier commentaire, ta mère con. C'est comme ça qu'ils sont. Ils viennent, ils biaisent, ta mère con. Bon, c'est comme ça qu'ils sont, quoi. Voilà, vous voyez, non. C'est leur travail. Laissez-les. Voilà, vous êtes trop propres. Ne rentrez pas dans ça. Donc aujourd'hui, le RDR dit que la Constitution, enfin, que la validité de la candidature de la Zawatra sera vue par le Conseil. Le Conseil constitutionnel est important aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est le même Conseil constitutionnel. Babou a prêté serment. Vous dites non, ce sont les amis de Babou. Mais aujourd'hui, eux aussi peuvent se lever pour dire que ce sont les amis de Ouattara. Et voilà la guerre encore. Vous voyez, quand tu fais quelque chose là, tu t'abaisses pour rien dans la nuque de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de souffler là pour toi, derrière. Vous comprenez? C'est pas bien. C'est pas bien.
Ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Non, je l'ai bloqué ma fille, je l'ai bloqué. On ne fait pas ça. Et aujourd'hui, c'est le même conseil constitutionnel qui doit voir si la femme va être candidat ou pas. Et puis, tout le monde est... Donc nous, on devait être d'accord avec ça. Pourtant, quand le conseil constitutionnel a dit que Gbagbo est vainqueur, là, vous avez dit non, c'est Yao Paul André là, c'est camarade de Gbagbo, mais lui qui est là-bas aussi, c'est pas camarade de Ouattara. C'est camarade de Ouattara. Donc on peut arriver à la même conclusion que tout le monde est toujours camarade de quelqu'un. Et on peut embraser encore ce pays. Vous voyez, on ne fait pas ça. Ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Et des vieux, ça veut dire que moi je pensais encore qu'il y avait une poche de moralité en Côte d'Ivoire. Moi je pensais honnêtement qu'il y avait une poche de moralité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous les jeunes là, bon on peut être hein, vraiment olé olé, des faux gars, etc. Mais quand même il y a nos parents, les chefs du village, les chefs de terre, etc. Ce sont des gens, bon au moins on peut dire bon les chefs là, eux ils sont là, il n'y a pas de problème. Mais les mêmes chefs là, c'est eux qui vont encore. Il n'y a pas route chez nous. Ouattara, faut te présenter. Il n'y a pas route chez nous. Ici à Divo, on souffre. Nos enfants souffrent. Regardez-moi ça. Il ne s'agit pas de qui souffre, qui ne souffre pas. Il s'agit de est-ce que la constitution lui dit, lui permet de se présenter. Aïe! Maintenant, le RDR, ils disent qu'eux n'ont pas de candidats. Mais si vous n'avez pas de candidats, vous êtes obligé de vous présenter. Le FPI, là, en 2015, eux n'avaient pas de candidats. Eux, ils ont dit qu'ils ne se présentent pas. Parce que leur candidat est à la haie. Ils n'ont pas présenté les candidats. Ils ne sont pas morts pour autant. Donc vous aussi, vous avez ramassé trop d'argent. Si Koulibaly et moi, que vous estimez que dans tout le RDR, tout le bruit que vous faisiez, caler, bloquer, gérer, tout ça, vous n'avez pas de candidat. Mais vous laissez, ne vous présentez pas. Et puis les autres vont se présenter. Et puis dans 5 ans, vous revenez vous présenter. Ou bien peut-être vous partez dans l'opposition et puis vous faites ce que vous savez faire. Hein. Vous prenez les armes encore pour revenir au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter. Et c'est nos parents là. Combien on leur donne? Mais moi je ne sais pas comment les gens sont moins chers comme ça. Quoi. Attends, on leur donne combien même pour qu'ils viennent faire ça là? On leur donne combien? Ah! On vous donne combien même pour venir faire ça là? Camarade. Ah! Combien pour venir faire ce truc-là? On vous donne combien? Pour venir mentir. Vous savez bien que ce que vous dites, c'est pas bon. Dans la ville, vous n'avez pas dit non. L'honneur vaut mieux que le déshonneur. Ou bien la mort vaut mieux que le déshonneur. Vous ne savez pas ça. Avez-vous pensé à vos enfants? Aux enfants de vos enfants? À vos villages? Aux gens qui sont en prison? Vous n'avez pas dit que vous ne savez pas ce qui se passe. Mais à peine on vous paye votre transport. Vous enfilez un petit kit là. Vous mettez votre pacotille là sur la tête. Et vous partez. Non, voilà. En arrière, je m'appelle Gabriel Kagagaga. Je suis le chef de village, chef de 30 ans de Divo. Je suis 50 ans. Ouattara, la carte est présentée. Regardez-moi des gens comme ça. C'est le pays qui est devenu comme ça. C'est le pays qui est devenu comme ça. Qu'est-ce que vous là? Qu'est-ce que vous n'avez pas mangé jusqu'à... C'est aujourd'hui là que vous allez manger ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu dans votre vie là? Et puis c'est aujourd'hui là que vous allez avoir ça. Et vous voyez la vérité. Vous voyez le désordre qui arrive. Vous voyez la guerre qui arrive. Vous voyez les affrontements qui se profilent à l'horizon. Mais vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous êtes d'accord? C'est les mêmes chefs là. Quand Guéhi était là, on a dit à Guéhi, retire-toi. Ils ne voulaient pas. Ils ont bavardé jusqu'à arriver à ce qui est arrivé. Vous comprenez? Quel est ce pays où il n'y a pas de poche de moralité, où on n'a pas de repli pour dire, bon, on va les consulter. Tout le monde est corrompu. Tout le monde est corrompu. L'argent, rien que l'argent. L'argent, rien que l'argent. Les ministres qui sont en train de faire tout ça là, qui voient, qui s'en foutent des lois, qui bafouent, qui cachent les, qui fabriquent des cas d'identité pour donner aux gens là. Vous faites ça à qui? C'est pas aux autres que vous faites, hein.
Vous ne faites pas ça seulement qu'aux Bété, aux Baoulé, aux Agni, au reste. Non, vous faites ça à tous les Ivoiriens. Parce que ces gens à qui vous donnez frauduleusement la nationalité ivoirienne juste pour en constituer un bêta électoral, ces gens-là vont devenir un problème à gérer demain pour la nation. C'est vrai que tu auras encaissé ton argent en son temps pour pouvoir fuir, mais quel est le problème que tu vas léguer au pays après avoir encaissé ton argent? Voilà, c'est comme ça que les gens ne réfléchissent pas. L'Africain, là, c'est son ventre. Tant que lui mange, le village peut mourir. Tant que lui mange, la maison du voisin peut brûler. Tant que lui mange, les enfants du voisin peuvent crever. Mais lui d'abord, les autres ensuite. Tout l'argent que vous prenez là, vous vous en foutez de votre pays. Vous ne faites rien avec la Côte d'Ivoire. Vous vous en fichez de la Côte d'Ivoire. Vous ne faites rien avec le pays. Vous vous en foutez. Le pays peut brûler. Vous vous en fichez. Voilà comment aujourd'hui on a rendu ce pays. Voilà comment on a rendu la Côte d'Ivoire. Voilà comment on a rendu la nation où il n'y a pas de poche de moralité, où il n'y a pas de repli de moralité, il n'y a rien, il n'y a pas de socle de moralité, où on peut aller s'asseoir pour dire non, nous on est mauvais, mais au moins on va écouter les chefs. Tout le monde est corrompu, tout le monde a peur. Aujourd'hui, les vieux ne peuvent pas parler, les sages ne peuvent rien dire. Ce sont des enfants sur les réseaux sociaux qui sont obligés de défendre leur pays à leur corps défendant, qui sont obligés de parler, qui sont obligés de dire des choses. Pendant que les vieux sont assis, les vieux ne parlent pas, les vieux participent, ils bouffent l'argent, ils prennent l'argent, ils soutiennent la forfaiture et puis ils sont assis, ils s'en fichent pendant que les autres sont en train de se débrouiller des enfants, parfois qui parlent à peine le français, qui se lèvent, qui font des vidéos pour pouvoir défendre. Qu'est-ce quoi ce peuple-là? C'est quoi ce peuple-là? C'est quoi ce peuple-là, frère? Voilà le peuple auquel, voilà aujourd'hui l'héritage que Alassane Ouattara a laissé au pays. Et je vous dis la vérité. Même le RDS, s'il laisse le pouvoir aujourd'hui, là, le RDS a une seule chose, ils ne connaissent pas les élections. Ils vont refaire encore le même scénario de guerre là, pour revenir encore au pouvoir. C'est là comme ça, ils sont comme ça. C'est ce qu'ils ont semé dans la tête des gens, c'est ce qu'ils ont toujours appris. La violence, les armes, la rébellion, c'est ça seulement ils connaissent. Alors, M. Alassane Ouattara, M. le Président, en tout cas, vous pouvez vous présenter. De toute façon, même si on dit non, ça peut faire quoi? Les Ivoiriens vont pas sortir même. Parce qu'ils sont devenus malhonnêtes. Quand vous demandez à un Ivoirien, dites, moi, je suis pas dans la politique. Ok, donc c'est nos grands-parents qui sont morts, qui vont sortir pour venir marcher. C'est nos grands-parents qui sont morts, qui vont sortir, qui sont morts pendant l'esclavage. Là. Ils vont venir pour venir parler à notre place. Le pays qu'on nous a légué là, faut pas on va parler. Laissons. Le monsieur là, il va venir être candidat. Laissez, nous, ne parlons pas. Ne parlons pas, hein. Laissons. Laissons le RDR bousiller le pays. Laissons le RDR gâter cette nation. C'est pas grave. Attendez un instant. Mon portable commence à se décharger pour vous. Un instant, je vais charger mon téléphone. Un instant, mes amis, charger mon téléphone. Vous là, je sens que voilà, c'est parfait. On peut y aller. Voilà comment notre pays est devenu. Et s'il vous plaît, je vous en prie. Je suis en train de parler à M. Alassane Ouattara. Il va certainement... Il hésite encore. Bon, il fait comme s'il hésite. Mais tout le monde sait qu'il a bien envie de rester au pouvoir. Parce que nous n'étions pas dupes. On savait qu'un gars n'avait pas fait tout ça à bousiller l'équilibre d'un pays. Et puis, il va laisser le pouvoir facilement comme ça. Jamais, il ne va pas laisser. Il va pas laisser. Il est prêt même. Voilà. Il va pas laisser. Il va se présenter. Mais j'espère que le droit à la contestation existe en Côte d'Ivoire. Et que quand des gens vont se lever pour dire que eux, ils ne veulent pas de ton mandat, j'espère qu'ils ne seront pas frappés, insultés, mis en prison, tués. Parce que quand le RDR a réclamé ta candidature, personne n'a parlé. D'accord? Personne
n'a parlé. Personne n'a parlé. Que Dieu vous bénisse. On a rendez-vous demain. À la même heure, nous allons continuer notre sujet sur le troisième mandat. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.